Bonjour à tous, bienvenue au Pêche de Solo. Aujourd'hui, on va faire une autre partie de Aeon Zen War Eternal. Je savais un bon petit moment que j'en ai pas fait de partie de ce jeu, Aeon Zen. Je crois qu'on est rendu au quatrième Nemesis, hein, je crois bien qu'on va faire. Celle que j'ai choisie, c'est celui-là, Thrice Dead Prophet. Donc, prophète qui est trois fois mort, hein, ce que je peux comprendre de son nom. Et voici les matchs que j'ai pas encore eu joué dans les parties précédentes. Donc il reste six matchs à essayer. Donc je vais en prendre deux là-dedans. Et voilà. Et donc ça me fait au moins trois parties que je peux faire avec ça. Puis je pense qu'il reste plus que trois matchs, donc probablement les derniers matchs, je ferai un mélange de tous les matchs de la boîte. Donc pour affronter le prophète, je vais mettre ça en dessous de la table pour pas regarder ce que je veux rasse, et je vais en choisir deux. Donc celui-ci, a Remnant, et l'autre, Sparrow. Bon, voici mes matchs. Sparrow, qui es-tu? Qui es-tu, Sparrow? Ok, quelqu'un qui veut se battre. Bon, c'est un soldat. Ok, qu'est-ce qu'elle fait, elle, dans sa... quand on la charge 5 fois? Elle a deux effets. Ok, elle peut focusser une brèche de n'importe quel joueur, dont elle-même. Et elle peut le faire 3 autres fois. Donc, elle peut focusser une brèche 4 fois. Oh my god. Écoutez, ça coûte 8. Il y a 10, plutôt 10 éthers à remplir. Et on peut focusser une brèche 4 fois avec ça. 10 éthers. Quand on sait qu'une brèche, ça peut prendre. Les brèches là, de niveau 4 qui peuvent prendre 10 éthers juste en ouvrir une. 4 pour la focusser. Donc 10 éthers, c'est comme. Pour 4 fois, c'est comme si ça coûtait 2 éthers et demi pour chaque brèche. C'est quand même bien. Ou n'importe quel allié. Avec No Close Breaches. Il faut qu'il n'y ait aucune brèche fermée, cependant, cet allié-là. Va piger 3 cartes et va préparer 3 sorts de sa main. Ok, ça peut être fort quand que l'allié n'a pas de sort, et on veut faire un finish sur un sbire ou un Nemesis, on fait piger 3 cartes, puis s'il tombe sur 3, encore mieux s'il tombe sur 3 sorts, il les met, et après ça, peut-être qu'il peut jouer. Bon, ben, je sais pas si je vais l'utiliser beaucoup, mais probablement plus pour la première effet, et après peut-être pour le deuxième, mais au moins c'est sûr que je vais probablement faire ça. Donc, je vais la mettre en joueur 1. Remnant, qui est ici une entité éthérée, donc pas de substance, c'est ce qu'on peut voir. Elle aussi a 5 charges pour sa capacité, qui en a elle aussi 2 différentes. Donc, un époque allié retourne 2 cartes de sa pile et défausse dans sa main. Ou Gwaivol gagne. Ah ben c'est bien ça, on peut faire gagner de la vie avec Gwaivol. Ça arrive pas souvent, ça, qu'on peut faire ça. Mais ici, on voit qu'il y a un effet. Ok, elle aura une brèche différente. Alors, je vérifie ça. Puis on voit bien que Sparrow, elle n'a pas de brèche de niveau 1. Donc, elle commence avec aucune brèche. Va falloir s'organiser pour ouvrir rapidement ces brèches-là. Donc ici, ben, plus un éther sur un casque de sort. On verra quand je vais sortir les brèches, qu'est-ce que ça fait. Bon, on va maintenant choisir, avant de faire la mise en place complète et de mettre toutes les cartes en jeu, on va choisir nos gemmes, nos reliques et nos sorts. Mais on ne les choisira pas, ça va être le hasard qui va les choisir pour nous. Donc, allons-y pour les gemmes. On va en prendre 3. Espérons prendre qu'un rond dans les trous. Il y en aura quelques-unes qu'on n'aura pas vues durant nos parties précédentes. La Berylite hantée. Gagnez 2 éthers ou défaussez une carte dans votre main. Si on le fait, on gagne 2 charges. OK.
L'autre qu'on aura, ce sera une. Oh, 6. Ouais, pas facile. Pour gagner 3 cette terre. Ou gagner 2 cette terre et faire un dégât. Donc, une gemme qui fait des dégâts. J'ai pas vu ça souvent. Je pense la première fois que je vois ça. Et un Alien Element, ok, gagner un éther pour chacune de mes brèches avec un éther, avec un sort préparé, je gagne un éther additionnel. Bon, quand même, au moins, on a des gemmes qui ont des coûts variés. Là. J'aime bien d'avoir une de 3, en partant, c'est 3, 4, 6, je suis bien content. Bon. Pour les reliques, on va en choisir 2. Demain, comme ça fait un certain temps que je n'y ai pas joué, je ne me rappelle pas trop des cartes que j'avais avant. Oh, une clé dimensionnelle. Ça, c'est la première fois que je lis celui-là. 8, très très cher. Méchante grosse clé. Et on dirait, ben oui, c'est bien. Hein? On voit que c'est cette clé-là, c'est ce personnage-là qui l'a. On voit bien que c'est le même personnage. Ça, c'est bien que c'est thématique comme ça. Ok, donc un allié pige 2 cartes ou on détruit cette carte quand même. Ouais, c'est que vous nous a coûté 8, on la détruit. On subit un dégât et on met une carte en jeu du deck Nemesis en dessus. Ok, on passe, c'est comme si on avance plus vite, on peut passer par-dessus des cartes du deck Nemesis. Donc une carte. Place one card in play. Ah, une carte en jeu. Ok. Une carte en jeu du Nemesis deck on top. Ok, au contraire, c'est pas ce que je pensais. Donc, on met une carte en jeu, carte qui est ici, et on la ramène sur le dessus du. Donc, on la ramène. Au lieu de nous subir les dégâts, ben, ça fait fort qu'on ait des cartes très très pénibles là, qui peuvent nous faire perdre la partie, mais c'est quand même détruire une carte qui nous a coûté 8 éthers, c'est pas évident. Donc, je crois pas reprendre cette relique-là vraiment beaucoup. Et l'autre, c'est une relique qui coûte 3, une charme d'éternité. On focus notre. Ok, on aura beaucoup de chances de focusser nos brèches dans cette partie avec lequel qui coûte le moins cher. Révéler les 3 cartes de votre deck. On peut même préparer un des sorts qu'on révèle. Ça, c'est bien. Bon, ça, j'aime bien ce tirage pour les reliques, à part peut-être elle qui coûte 8, mais elle qui coûte 3, c'est très intéressant. Donc, c'est pas des cartes que j'ai habitué de jouer, donc ça va être assez différent. Il faut que je m'adapte à ça. La stratégie. Je me souviens pas c'est quoi la stratégie qu'on doit contre le vilain, même qu'est-ce qu'il fait, mais on va l'apprendre assez vite. Donc, 4 sorts, dont un catalyste qui coûte 6, qui fait 2 dégâts. Et si on a 2 de vie au moins, on fait 7 dégâts. On a des dards thermiques qui est une capacité Link. Donc, on peut préparer avec sur la même brèche 3 dégâts. Et si c'est pas le premier qu'on lance dans ce tour, on gagne une charge. Une conflagration, elle aussi Link, avec un lien. 2 dégâts et on gagne une charge. Un éther plutôt. Et le quatrième sort, ça va être un feu intérieur. 1 dégât. Et si la Nemesis est de tier 2 ou plus, c'est 2 dégâts. Bon. Ok, ça c'est pas des sorts, un sort très très fort, mais écoutez, là il y a un sort de 2, un sort de 3, un sort de 4 et un sort de 6. Donc, il n'y a pas beaucoup de dégâts là-dedans quand même. Hein? Ici c'est 1, peut-être 2, là c'est 2, là c'est 3, et là c'est 2, possibilité de 7, mais il faut avoir la vie à 2. Ça peut être fort quand on a une vie à 0, puis on est épuisé, puis il nous reste un personnage encore en vie. Ça peut être très fort, mais bon, on verra. Ça vaut la peine de s'épuiser juste pour ça. Donc, je vais terminer le choix des cartes. Donc, je vais tout mettre en place, les brèches, le marché, le deck Nemesis, là, les cartes d'ordre du tour. Je vais tout mettre ça en place et je vous reviens pour le début de la partie. Bon, nous revoilà. C'est tout placé.
Bon, pour le prophète trois fois mort, j'ai lu un peu l'histoire, c'est rien de joyeux là-dedans. Bon, il n'y a aucune mise en place spéciale, c'est un niveau 5. Et ça raconte un peu, ça dit qu'il était pensé impossible de tuer le Nameless, pourtant nous l'avons fait, ou c'est ce que nous pensions. La première fois que nous avons tué le prophète, ça nous a semblé trop facile. Il est sorti du voile, du vide, la première fois, là. Son corps massif, clad, avec une armure, avec des faces de Dieu que nous ne nous rappelions plus. Fait qu'on voit que les faces sont ici, donc il y a comme des... Ouais, on l'a pas trop apprécié d'être pris dans cette armure-là. Nous sommes tombés dessus rapidement, comme un essaim de scarabée sur une carcasse. Il ne s'est pas défendu, c'est ce qui nous a semblé. Et dans notre empressement, nous avons pensé que nous étions les victorieux. La première fois que nous avons combattu cette créature, ces sbires nous ont donné beaucoup de difficultés. Freyla, une mage très inexpérimentée, est morte ce jour-là, rencontrée à sa fin, cette journée-là, écrasée au-dessous de l'énormité de cette chose pendant qu'il est tombé mort. Il est tombé mort une deuxième fois, puis en tombant, il a écrasé la Freyla. Et même dans son spasme de mort, il a emporté avec lui une section entière du mur sud et 20 autres personnes avec lui. Wow. La troisième fois était supposée être la dernière. Sparrow, ben voilà, Sparrow, c'est un des mages que j'ai avec moi présentement. Sparrow a bondi sur sa tête, mais ça n'avait aucune importance. Sans Ian McDo et les autres, Guevo aurait péri cette journée-là. Le prophète était immobile quand il était battu. Immobile pour une heure ou plus cette fois. De son cou est sorti le Titan Umbra. Alors ça, c'était un des premiers matchs qu'on s'est battu. Je pense que si je peux vous le montrer. Je peux tomber dessus rapidement. Ouais, c'est ça, c'est lui. Fait que c'est lui qui est sorti du cou du prophète. Bon, là, ben, ça, c'est le premier qu'on a battu de la boîte. Cette bête a pris la vie de 9 mages avant que Uljumor le forcé dans les profondeurs. Et c'était notre seule victoire ce jour. La création occidentale de Uljumor. Nous savons maintenant que chaque victoire est une feinte. Un test de notre metal, c'est vos habiletés et notre... Vigueur, je ne sais pas trop. L'aide de la quatrième fois, le prophète, mais qu'il meurt, c'est la dernière fois. Ok, donc, ouais. 40 points de vie, c'est peu, hein. Vous pensez que c'est peu, mais c'est pas si tant que ça, puisqu'on voit que l'effet déchaîné, c'est qu'il fait gagne 5 vies. Et s'il a 60 points de vie ou plus, il gagne un Nemesis token. Et à la fin de son tour, si le prophète a 4 ou plus tokens, il défausse la carte du dessus de son deck et il perd ses 4 tokens, 4 jetons Nemesis. Ok, mais là on s'entend que, ok, on perd une carte, ouais. Ok, il n'a pas de vie maximum, mais quand le prophète a 99 ou plus de vie, il devient mortel et on perd. Et quand le deck Nemesis est vide, le prophète a complété son rituel final et on perd. Ok, oh, là c'est pas la même chose, parce que d'habitude quand on termine le deck, on passe à travers, on est capable de résister, de survivre jusqu'à la fin de ce deck-là, on gagne. Mais là, on perd. C'est peut-être pour ça, justement, ici, là, qu'il enlève des fausses des cartes. Ok, il va être difficile. Je sens qu'il va être difficile. Ah oui. Gagne des points de vie. Donc, il va falloir y tomber dessus assez fortement. Bon, ok. J'ai mis toutes mes cartes ici. Bon, 40 points de vie, 30 points de vie pour Gravehold. Maintenant, nos mages, les decks. Sparrow, c'est assez simple. Elle a 9 cristaux.
et sa carte spéciale, c'est tout. Donc, il va falloir qu'on se trouve un moyen de se débarrasser de ces cartes-là. Je sais pas comment je vais faire pour les filtrer, puisque j'ai rien vu qui dit qu'on peut défaire, qu'on peut détruire des cartes, mais bon. OK. Ben, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a un sort qui s'appelle Smolder, qui peut le mettre sur une brèche fermée, sans qu'on la focus, donc on peut... Ce sort-là, on peut toujours le mettre, finalement, qui fait un dégât. C'est pas un sort très, très fort, mais on sait qu'on peut toujours faire un dégât avec ça, puis il n'y a pas besoin d'avoir une brèche ouverte, donc on va pouvoir l'utiliser tout de suite. Et Remnant, elle a cette carte-ci qui lui donne un éther, et on gagne un éther additionnel qui peut juste être utilisé pour ouvrir une brèche. Elle est là... des cristaux et des étincelles. Mais oui, parce que Spallo, elle n'a aucune étincelle. Donc, ouais. Bon, ça c'est pour la mise en place. Tout est là. Maintenant, il va pour l'ordre du tour. Tout est là aussi. Donc, on va mélanger ça et on va tout de suite pouvoir commencer. Bon, ma stratégie. Déjà, il faut que j'y pense un peu. Évidemment, pas le laisser monter en vie, là. Faut absolument être capable de. Les effets déchaînés vont me faire mal. Avec Young 5 points de vie, c'est sûr et certain. Qu'est-ce qui pourrait bien m'aider le plus là-dedans? Bon, gagner des charges, c'est pas intéressant. Focuser les brèches, des sorts. Les sorts, il va falloir que je les ajoute. Ouais, il va falloir que je commence à acheter des sorts. Ces deux-là, plus rapidement, le plus vite possible. Surtout que je peux les linker. Donc, sur une brèche, je peux mettre deux sorts. Ça serait intéressant. J'ai trois links quand même. Ouais. Puis lui, ben, il va pouvoir faire mal des dégâts aussi. 7 points de vie, mais il faut que j'aille deux ou moins de vie. Hein. OK, on gagne des charges. Ouais. Ouais. Ouais, elle va être intéressante aussi pour pouvoir qu'on prépare des sorts. Ouais. OK, bon ben regardons qui va jouer au début. Ça va être Sparrow. Donc Sparrow. Qui a 4. Donc c'est sûr qu'elle va préparer un sort sur sa brèche fermée ici, ça n'a pas d'importance. Et avec ses 4 éthers, elle va on va tout de suite prendre. Est-ce que ça c'est intéressant? Ou elle s'ouvre une brèche? Ou elle se prend des charges? Ouais. Je pense qu'on va se prendre des charges. Oh my god, j'hésite. OK, faire un peu des deux. On va prendre un sort qui coûte 2 et on va se prendre une charge. Bon. Prochain joueur. C'est Remnant. Bon, ça c'est sûr qu'on va mettre... Ah, c'est une gemme, c'est pas un sort, c'est vrai. Bon, elle a un sort, elle va pouvoir le mettre sur sa brèche de niveau 1 qui est ouverte. Et, OK. Là, cette brèche, elle a une brèche spéciale, hein? Pas comme les autres. Une brèche qui va lui permettre qu'à chaque fois qu'on va lancer un sort, ça va générer un éther. Donc, mais pas ouverte, elle est quand même assez éloignée. Mais c'est 5 pour l'ouvrir, c'est quand même pas si mal. Avec ça, j'en génère 2, 3, 4. Je peux générer 4 éthers avec ça si je pourrais ouvrir une brèche. Ben, ouvrir ou focusser. Je vais focusser pour 2. Je vais préparer mon autre étincelle sur cette brèche. Et qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'était la focus de 2 que je viens de faire. Il me reste 2. Il m'en reste 2. Donc, avec 2, je vais. Ça, c'est pas mis comme il faut. Ça, ça va être mis comme ça. Avec 2 éthers, ben, on va. On va mettre ça ici. Ou on se prend un autre sort qui en. Ouais.
Il me reste deux. On va prendre une charge. OK, on continue. Némésis. Bon, chacun son tour à l'arrêt de l'autre. On y va. Première carte, une carte de base qui s'appelle l'affliction. Bon, ben, tout de suite, un effet déchaîné, donc il va aller à 45. Tout de suite, il gagne 5 points de vie déjà. Mais voilà. Un joueur subit 3 dégâts et met une carte de sa défausse dans sa main. OK, là, je viens de me rendre compte que j'ai même pas refait la main avant. Bon, ça, c'était la main de Sparrow. Et la main de... la nouvelle main de Remnant. OK. Là, on a dit qu'un joueur subissait 3 dégâts et mettait une carte de sa défausse dans sa main. Donc, on va prendre c'est Remnant qui va subir 3 dégâts, puis il va prendre cette carte-là dans sa main. Ouais, non, ça va être correct comme ça. Donc, 3 dégâts, déjà, on passe à 10, à 7, plutôt. 3 dégâts, c'est quand même pas mal. OK. Remnant, justement, c'est le temps de te venger. Ben, on va faire les 2 dégâts. Et ça, ça ne génère pas une étape. C'est juste quand elle est ouverte. Donc, 2 dégâts. Ça, on va les... Pas le choix. Pas le choix d'attaquer. Et là, on a retour encore. On va remettre ça sur sa brèche de niveau 1. Et là, je peux focusser la brèche de niveau, de niveau 2 avec 2. Donc je reste ici. Donc 2 focus. Je peux l'ouvrir avec 4. Hein? Je pense que je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir avec 4. Je vais l'ouvrir. Carrément. Là, il me reste 2 éthers. Avec 2 éthers, je vais prendre un sort ici. Donc je mets ici. Et là, je mets les cartes que j'ai jouées comme ça. Et là, on tourne de côté. Et la prochaine main, ça va être 3, 4 et 5. Ça risque d'être juste. 3 sorts. OK. Autre prochain joueur, Némésis. Qu'est-ce qu'on va avoir cette fois-ci? Encore une carte d'abord. Ah, encore une fois, un effet déchaîné. Un joueur subit un dégât et défausse sa carte la plus chère. Ah là là. Bon, 5, elle monte à 48. Parce qu'elle a un effet déchaîné. Un joueur subit un dégât et défausse sa carte la plus chère. Hein? Regardez, on va. Un dégât, ça va être Sparrow qui va le prendre. Donc, on va tomber à 9. Et sa carte la plus chère, ben, c'est un cristal. Donc, allons-y. Un cristal. Et c'est Sparrow qui va jouer. Elle n'a que 4 cristaux en main. Donc, 4 cristaux en main. Mais elle a cependant un sort qui va faire un dégât. Ça. On prend toutes les chances de faire des dégâts. On n'a pas le choix. On va prendre un petit Thermal Dart pour 4. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Bon. OK, bon, ben, on voit que c'est pas trop long que la Némésis. C'est ça, j'ai pris 2 cartes de base, puis 2 cartes qui ont en effet déchaîné, donc, évidemment. Donc, elle a gagné 10 points de vie, j'en ai réussi à y en faire perdre 3. C'est sûr qu'à ce rythme-là, je vais pas survivre. Donc, on se rappelle qu'à 60 points de vie, gagne un jeton Némésis. OK, ça va être Remnant. Remnant qui a un sort, donc il va lancer son sort. Fait un dégât.
46. Et là, on va préparer d'autres sorts. On va préparer ces deux sorts-là. Pourquoi pas? Ce sont ces deux sorts qui font un dégât de toute façon, peu importe. Et là, il me reste deux. Ce sort-là, je ne peux pas le prendre, donc je vais le garder en main. Et il me reste deux éthers. Je vais prendre une autre charge. Core Remnant, ok, là j'ai oublié de faire ma main, donc 4 à 4, 1, 2, 3, 4, avec l'éther. Ok, là j'ai généré beaucoup d'éther, ouais, parce que là je vais lancer le sort ici qui coûte 1, qui va faire un dégât. Ici on va faire un dégât aussi, mais je génère un éther, donc je vais faire 2 dégâts et je génère un éther. Donc 44, c'est bon, on descend. Donc, un éther de générer. Et là, je peux 1, 2, 3, 4, 5. Ou 6 si j'ouvre une brèche. Non. Ça, je vais préparer sur ma brèche qui veut générer un éther, justement. Et ça, je vais préparer. J'avais 1 en banque. Donc, 2, 3, 4, 5. Avec 5, qu'est-ce que je fais avec 5? Qu'est-ce que je fais avec 5? J'ai rien qui coûte 5 en réalité. Je vais prendre ça, une bérille. Je pense qu'on va commencer à acheter des gemmes là parce que. Ouais. Et je gagne une charge. Ou je prends. Non, je ne gagne pas une charge. J'enlève ça. Je prends plutôt un autre feu. Inner Fire. Bon. Un. Deux, trois, quatre, cinq. Donc, évidemment, ça sera pas. Je sais pas, je la sens pas. Celle-là, j'ai pas des cartes très très fortes, j'ai l'impression. Ok, Remnant a joué ses deux tours. Joué deux fois. Donc, il reste Nemesis et Sparrow. Et c'est la Nemesis. Une carte de puissance 3, qui est une carte de spéciale du prophète. Donc, si le prophète a 40 ou moins de vie, Grievous subit 7 dégâts. Autrement, il gagne 3 Nemesis tokens. Wow! OK, là, il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. C'est sûr que moi, OK, 7 dégâts, moi, je veux... Qui a quand même le faire descendre pour le laisser comme ça, puis attendre parce qu'il va gagner 3 jetons de Nemesis. On se rappelle qu'au quatrième, s'il défausse une carte ici, là, il passe son deck plus rapidement. Donc, je vais mieux prendre les Sadequa Grievous, j'ai l'impression, surtout que je peux le guérir ici. Hein. Ok, Sparrow, pas de sort de préparer, malheureusement. Bon, lui, on peut pas le préparer parce que là, j'ai pas de brèche. Mais je vais focusser une brèche pour 2. Puis je vais préparer ce sort-là. Donc, on focus une brèche pour 2. Prépare ce sort. Il me reste 2 éthers. Avec 2 éthers, on va prendre une autre charge ici. Encore Sparrow. On va en prendre dans sa main, je n'avais pas pris. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, c'est mieux. Donc, on va lancer son sort ici pour 1. C'est un petit dégât. Donc, 43. Ouais, là, j'ai deux sorts, dont lui, il peut mettre une brèche, ok. Donc, les 3 éthers ici, je vais focusser une brèche, je vais mettre un sort. Demain, pour 3 éthers, je vais focusser cette brèche-là ici. Je vais mettre un sort ici, et l'autre, j'ai pas besoin que la brèche soit ouverte pour le faire, donc, deux sorts comme ça. Et là, les Nemesis va jouer. On enlève un jeton ici.
un autre. 4. Bon, le premier sbire. Un labyrinthe Wisp. 5 points de vie. Un joueur défausse un sort préparé ou un joueur perd une charge. Bon, 5 points de vie. Ça devrait se faire. 1, 2, 3. 4, 5. Bon, deuxième tour terminé. Nemesis est à 43. On se rappelle qu'il est à 47. Donc, c'est bien. Il n'a pas eu d'effet déchaîné. Donc, agressif fait perdre 4 points de vie. Continuez. Là, on a un sbire à s'occuper, cependant. Ouais, là, ça va prendre des sorts plus forts un peu. Parce que les points de vie... moi, ça ne me tente pas d'évaucer des sorts préparés. OK, ça va être... Ah! Fallait-il que ce soit le Nemesis? Justement, il ne fallait pas que ce soit lui. Et il le fait. Et il vient me faire défausser un sort préparé où je perds une charge. Bon, ça, c'est... Lui, on perd une charge ici. OK. Sparrow. Sparrow n'avait pas fait sa main. Encore une fois, j'oublie toujours de faire les mains. 1, 2, 3, 4, 5... Ah! Que c'est beau! Que c'est beau! Bon, elle fait des dégâts. Elle fait 1 et elle fait 3, 4. 4 dégâts. On va les faire sur le Nemesis qui va tomber à 39. Comme ça, si on tombe sur une autre carte Nemesis, mais là, il est en vol 40, donc on va plutôt perdre des Greyhawk, va perdre des points de vie plutôt que lui qui gagne 3 jetons token. 3 jetons Nemesis. Et là, elle a sa main ici. Donc 5 belles éthers. 5 belles éthers. Quand elle va faire quoi avec ça? Elle va s'acheter une conflagration. Et se prendre 2 charges. Et là, on va refaire sa main. Je n'ai pas j'oublie. 2, 3, 4 et 5. Bon, toutes les cartes sont prises. 4 éthers et un sort. Ouais. OK. Bon, là, Nemesis et Sparrow. Et c'est encore Sparrow. Bon. Donc, ce sort-ci, 4 éthers. 4 éthers. On va en prendre 2 pour focusser une brèche, puis 2 pour gagner une charge. Donc, on va focusser la brèche ici. Pour 2. On prend une charge, on met le sort. Et 2 pour une charge. Ah non, 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 non. Je ne fais pas ça. Je vais plutôt prendre les 4 éthers pour prendre 2 charges et utiliser ma capacité. Donc, je vais focusser n'importe quel joueur, n'importe quel joueur, et je le fais 3 fois. Donc, je peux alterner. Je peux faire focusser 2 fois ici, focusser 2 fois là. Bon. Donc, ça, c'était comme ça. Donc, on focus une fois. Une fois. C'est incroyable. On peut faire les mêmes les plus chers en premier. Une fois. On fait encore 3 fois. Donc, 2. 3 et 4, ben oui, pourquoi pas. Et là, comme j'ai focusé, je peux mettre mon sort sur cette brèche-là. Bon, ben c'est bien. Je fais 4 focus de brèche, quand même bien. Regardez-moi ça. J'ai l'impression que ça va bien aller. OK, donc on a terminé pour 2, 3, 4 et 5. Bon, c'est intéressant tout ça. Je ne sais pas si on est capable de faire quelque chose, cependant. Et c'est Sparrow qui est là, Remnant plutôt, qui a un sort ici qui va le lancer, qui va générer un éther en lançant, donc un dégât, tombe à 38. Et là, on va placer ces 2 sorts-là sur les 2 brèches qui sont fermées. Ouvertes, plutôt. On a généré un éther. Avec ces 3-là, ça fait 4.
4 éthers. Allons donc chercher ça. Cinq. Donc, prochaine carte. Encore Sparrow. Bon, mais. Donc, un éther, deux dégâts, encore une fois. Deux dégâts et ça génère un éther. Donc, c'est bien. On fait passer à 36, mais je pense que je ne paye rien pour payer plus tard ça. Elle va se venger. J'ai la pression. Ok, bon, j'ai dit quoi? Venéter en main. Gagner 2 ou défausser une carte en main si je gagne 2 charges. Ouais, je pense que ce serait pas mauvais de faire ça. Ouais, je vais prendre cette carte-là. Puis je vais défausser cette carte-là. Ouais. Est-ce que je fais ça? Tout de suite. Sinon, je gagne 2, 3, 4. Ça me fait 4. Ouais, je vais plutôt prendre l'utiliser, l'éther. Donc, ça, je vais les placer sur des brèches qui sont ouvertes. Et je génère 4 éthers, 5. 5, j'ai oublié elle qui venait avec ma brèche de niveau 2. Donc, 5 éthers, ben là, c'est intéressant. Ce que je fais quoi avec 5 éthers? Je vais prendre ce Eternity Charm-là. Et je vais pour 2, je vais prendre une charge ou je prends un autre. Allons donc prendre un autre. Bon. Et je mets mes cartes comme ça. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, ok. Et là, on sait que c'est Nemesis qui va jouer. Et là, il va faire ça ici. Donc, Gravel va subir 7 dégâts. Ok. Tombe à 23. Ça fait mal. Un bon coup dans les murs de Gravel par le prophète. Et lui, hein, j'ai pas pensé à la. Ouais, j'ai comme oublié un peu celui-là, malheureusement. Ouais, il faudrait que j'arrête de l'oublier. Un joueur perd une charge. Ouais, on va faire perdre une charge ici. Plutôt que perdre un sort. Non, j'ai mieux perdre une charge. Mes points de dégâts sont importants. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Ah là là! Un joueur subit 4 dégâts et le prophète gagne un jotin nommé 6. Mais c'est incroyable, c'est quoi cette attaque de fou-là? 4 dégâts, on va tomber de 9 à 5. Et j'ai rien pour faire gagner de la vie, hein? Ouf! Et je gagne un jeton. Nemesis gagne un jeton. Un jeton de Nemesis, c'est moi aller chercher. Je dis pas truc. Et voilà. Ok, c'est bon, 36 points de vie. J'avoue que je m'attendais pas à y aller à faire descendre aussi bas. Ben, c'est quand même juste 4 points de vie depuis le début. Hein. C'est ça, hein, parce qu'elle a commencé à 40. Là. Mais bon, j'ai fait déchaîner. J'en ai eu que 2 depuis le début de la partie. Et Nemesis, ben oui, pourquoi pas. Encore une fois, là, cette fois-ci, j'ai pas le choix. C'est un sort qui va être défaussé puisque j'ai plus de charge. Donc, on va défausser ce sort-là. Et on pige une carte. Bon, un autre, mais c'est mignon. Fate Leash. N'importe quel joueur, c'est bien des gars. Et le ouf, le prophète gagne un jeton Nemesis. Ok, ok. Là, ça commence à. Ouais, ok. J'ai compris. Bon, après ça, Remnant. Bon, Remnant, on va lancer. Il est en niveau 1 encore. Ok, là, on va lancer ça qui va faire un dégât. Là, on va le faire à lui. Ok. Et ça génère un éther. Ça, on va le placer sur la brèche de niveau 2.
Donc, un jet d'intérieur à ça, ça en fait un. Plus qu'on a un sort qui est préparé, ça fait deux. Donc, deux plus un, ça fait trois. Quatre, cinq, six. Bon, là, j'ai six. J'ai six. Donc, avec six, je pourrais aller chercher des cartes intéressantes. Prendre une pain stone. OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 5 plutôt. Avec le 6 en main, là, en tête. OK. Parfait. J'ai hâte de voir cette carte-là, comment que je vais la jouer. OK, on continue. Encore Remnant. Bon, mais voilà, donc un dégât qui génère un éther aussi. Un autre dégât qu'on fait à lui. OK. Et là, bon. OK, ça, on peut déjà les mettre, on peut déjà les préparer. Hein, c'est très simple. Et ça, ça nous dit qu'on peut focusser notre brèche avec le coup le plus faible. OK. Donc, on va focusser cette brèche-là ici. On révèle les trois premières cartes de notre deck et on peut préparer un sort qu'on révèle. Est-ce que j'ai un sort là-dedans? Oui, il y a un sort ici. Et comme je viens de focusser cette brèche-là, je peux mettre le sort, mais je peux le mettre ici aussi, hein. Même si j'aime mieux le mettre ici, puis ça va me générer deux éthers. J'ai deux sorts, ça va me générer deux éthers. C'est des sorts qui sont link, donc je peux les mettre. Qu'est-ce que ça dit? Vous voyez, link. Je peux les mettre sur la même brèche. Okay. C'est ce que je vais faire pour générer de l'éther. OK, ça, c'était joué. Et là, j'ai deux éthers ici que je génère. Et deux éthers, je vais me prendre une charge. Un, deux, trois. 4, 5. Fameuse Beryl est tentée. OK. Prochain. OK, là, on sait qu'ici. OK. Spero. Spero joue. Elle a un sort ici qui va faire un dégât. Un autre dégât. Ouais, petit à petit à petit, on va finir par l'avoir. Et là, on peut. Elle a trois sorts, mais elle a. Bon, il y a lui qui peut être mis sur une brèche qui est pas. Qui est fermée. Là, il lui reste deux. Non, on va le mettre ici plutôt. On va plutôt le mettre ici. Parce qu'avec les deux ici, je vais focusser la brèche ici. Ouais. Comme ça. Puis je vais pouvoir mettre ce sort-là. Ici comme ça. Et lui, je suis obligé de le garder. Je peux pas le placer. Tout simplement. Donc, 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Et là, j'ai 4 éthers, un sort. Bon ben. Je pourrais ouvrir la brèche à niveau 4 si je veux. On verra. On verra. Et là, c'est la numéro 6 peut-être. Non, encore Sparrow. Bon, ben c'est bien au pouvoir de détruire celui-là. 3 dégâts, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix de faire un dégât perdu là, parce que je l'ai absolument éliminé. Donc 3 dégâts pour tuer ce sbire. Il reste lui. Lui va faire un dégât. On va le faire ici. Et là, on va prendre sa main. Donc 4 éthers, je vais carrément. Carrément m'en servir pour ouvrir ma brèche de niveau 4. 4 éthers. Et je mets ce sort-là qui va faire maintenant 3 dégâts. Et voilà. 1, 2, 3. 4, 5. Ça risque d'être. Ouais, c'est ce que je pensais. Ouais, il y a quand même qu'elle avait beaucoup de cristaux. Je sais pas comment je vais faire. Je peux pas m'en débarrasser. Donc, et la Némésis termine. Un joueur subit un dégât, donc ça va être ici Remnant qui va tomber à 6. 6.
Où es-tu? 6. Et voilà. Non. Ah là là. Comment je fais pour pas le trouver? Ok. Bon. 6. Et il gagne un jeton Nemesis, ce salopard. Ben oui. Regardez son deuxième. Deuxième. Et on pige une carte. Bon, une carte de puissance qu'on va défausser. 7 étapes pour défausser. Oh, ok, non, mais là, unleash 3, c'est-à-dire qu'il gagnerait 10 points de vie. Et on défausserait 3 cartes. Bon, là, on voit qu'on est au niveau 2. Donc, ces cartes-là, maintenant, vont faire. Tu peux oublier, vont faire 2 dégâts. Ok? Bon, Power 1. Bon, ben, j'ai une chance de 7 éthers. Je sais pas si je vais être capable de générer ça. Je pourrais le faire si c'est Remnant qui joue puis quand je tombe sur ces. Ces cartes, ces grosses gemmes qu'elle a achetées, là, mais je sais pas. Je sais pas si je vais être capable. Super. Donc, ah ben justement, c'est elle qui va jouer. Est-ce que je peux générer 7 éthers? J'en ai un air 2 ici. 3. 4. Non, je peux pas. Je ne peux pas. Donc, ouais, c'est dommage, je pense que je vais goûter. Donc, je vais lancer mes sorts ici. Et là, ça va faire mal, celui-ci, puisque lui, maintenant, fait 2 dégâts. Lui fait 2 dégâts, puisqu'on est dans le niveau 2, 2 dégâts. Lui va faire 2 dégâts aussi, ça fait 4. Et lui, ça fait 5. Donc, lui, on a éliminé lui d'un coup. Merveilleux. Bon, au moins, il y a ça qu'on a réussi à faire. Il y a ça qu'on a réussi à faire. Là, je vous disais que je génère. Bon, ces deux sorts-là, je vais les mettre sur les brèches ouvertes. Et là, 2, 3, 4. Ou 5, si je. Ouais. Ouais, 4 ou 5. Je vais plutôt prendre 4. Je vais plutôt prendre 4. Je vais plutôt prendre 4. Je vais plutôt prendre ce sort-là. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Oh, le réel est là. OK. Là, j'ai mes 7 éthers, mais il faut cependant que ce soit moi qui joue encore, pas la Nemesis. Est-ce que je vais être chanceux? Oui! Wow! OK. Mais bon. Ah, c'est bon pour ça, mais j'ai pas l'impression. Je sens que le prochain, je ne serai pas chanceux comme ça toute la partie. OK. 1, 2, 3. Et 3, 6, mais celle-là, OK. Gagner un éther. Pour chacun de mes brèches avec un sort préparé, je gagne un éther. OK, j'ai deux brèches avec des sorts préparés. On peut voir ici, un et deux. Donc, en réalité, celle-là vaut 3. Elle vaut 3. Là, 4, 5, non. 4 et 3, 7. Ou je gagne 2. Je fais un dégât. Ouais, c'est plutôt faire ça. Bon, elle vaut 3. Elle va gagner 2. Je vais faire un dégât en passant. Avec 3 plus 2, je vais faire un dégât. 3 plus 2, ça fait 5, 6, 7. Donc, 7. Et elle, on défausse cette carte-là. Et croyez-moi, puis on fait un dégât en plus. Donc, il n'en gagne pas 10, il en perd 1. C'est un bon, oui. Puis il me reste un état qui disparaît dans la nature. Wow! Je suis bien tombé. 3, 4 et 5. Ouais, je suis vraiment bien tombé. Ouais. OK. J'ai pas lancé de sort parce que j'avais besoin que les sorts restaient là pour que la fameuse, fameuse cette fameuse gemme-là me génère plus d'éther. OK. Sparrow. Sparrow, on a un sort ici qui va faire 3 dégâts. 3 dégâts, puis ça va lui faire gagner une charge. Donc, 3 dégâts. Yes, ça tombe à 32. Et là, 1, 2, 3, 4 et 5. Tout simplement, c'est tout ce qu'elle a. 5, bien, regardez, on va ouvrir 3 et 2, 5. On ouvre nos 3. On ouvre toutes les brèches. Allons-y.
Allons-y comme ça. Pourquoi pas? Maintenant, les lettres vont juste servir à acheter des sorts maintenant. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, des sorts et de l'éther. Mais c'est encore, ben là, on va finir avec la Némésis deux fois. Ça, ouais, ça, j'adore moins. J'adore moins. Bon, ben, on va préparer ces sorts là, sur les brèches qui font un dégât de plus. Et ici, elle a 3. À 3, on va se prendre cette. Une autre conflagration. Oups, quand j'avais donc. Ah non, comment j'avais? J'avais 5, 6, un peu. 5, 6, 7. Bon, faut que je regarde voir comment j'avais de la vie. Bon, j'étais à 5 points de vie. C'est corrigé. Ok. Bon. On peut s'en faire une main. 1, 2, 3, 4. Ok. Encore une fois, ouais, là, c'est les sorts qui vont être importants pour le Sparrow. Ok. No close breach. Ok, donc ça va être Némésis deux fois. Bon, on va les annoncer que c'est Némésis qui va jouer deux fois. C'est bien de les faire tout de suite. Donc, que ça va être? Mangle Root. Ok, Guerrero subit 3 dégâts. Et lui subit 2 dégâts. Bon, on s'entend qu'il va, ça va, puisque Némésis va jouer tout de suite encore. Donc, cet effet-là va s'activer. Donc, Guerrero tombe à 20. Et lui, il avait 12, il en perd 2, il tombe à 10. Et la prochaine carte, c'est un autre. Un autre sbire. Gilded Effigy, ok. Si le prophète a 40 ou moins, il gagne 7 vies. Sinon, Grievo subit 3 dégâts. Bon, ben là, 7 vies toutes les fois, ça va être compliqué. Donc, il faut que je m'attaque à lui, hein. Je ne peux pas le laisser, lui, laisser donner de la vie à 7 ou moins. C'est ça. Bon, pas facile, vraiment pas. Mais vraiment pas. Les messieurs, c'est à 32, mais je sens que je vais atteindre un petit plateau. J'ai comme l'impression. Ok. Bon. J'ai pas acheté beaucoup de gemmes cette partie-ci. Vraiment. Beaucoup de sorts, parce qu'ils sont pas chers, les sorts. Mais j'ai pas acheté beaucoup de gemmes. Je sens que je n'ai pas tant besoin que ça. Mais là, je pense que lui va commencer. Cette carte-là va commencer à être intéressante. Là, j'ai 5 points de vie pour un personnage Sparrow, puis 6 pour Eminent. Hein. Bon, Sparrow, heureusement, c'est pas Némésis qui joue encore. Ça rappelle ça. Ça me rappelle bien. Bien emmerdé. Ok, donc Sparrow va jouer. Elle a des sorts. Elle a des sorts qui ont fait 4 de dégâts. Ici, ça fait 2 de dégâts. Ça fait 6 de dégâts. 6 dégâts. On va donner à lui tout de suite. Maintenant, on va préparer des sorts qui vont faire des dégâts encore une fois. Et il lui reste 3 éthers. À 3 éthers, qu'est-ce qu'elle peut bien faire avec 3 éthers? Ben là, c'est vrai. Elle peut s'acheter encore là, des. On va y aller comme ça. Le charme d'éternité. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, ça serait cool si un de mes mages pourrait jouer pour que je puisse achever celui-là. En réalité, lui va faire 2, 3. Ouais, il faudrait que Sparrow joue encore. Est-ce que je vais être encore chanceux et c'est le numéro 1 qui va sortir ici? Est-ce que je vais être chanceux? Non, la Némésis. Mais voilà. Weevil subit 3 dégâts et lui en subit 2, fait donc
réalité. Les vols tombent à 17. Ouais, là, je pense qu'il va falloir que je gagne des charges pour Wimden pour gagner de la vie à Greyvold. Et lui, bah, c'est ça. Il regagne 7 points de vie. Tombe à 30, revient à 39, le salopard. Espèce de prof, espèce de figie. Oh là là. Bon. OK. Et là, encore une fois, un autre sbire. Un mage Ender, ouais. Le joueur avec le plus de brèches subit 2 dégâts. Ouais, là, je commence à être envahi par ces. Ouais, là, j'ai beaucoup de travail devant moi. OK. Remnant va faire 2 dégâts ici avec ça. Il peut faire 3 dégâts. On va les faire ici, hein. J'ai pas le choix. Donc, 3 dégâts, il va en rester 2. Plus que 3 points de vie. Tout ça a généré un éther. On va placer ces deux sorts-là sur les brèches ouvertes. Ça a généré un éther. Ok, oh, j'ai ça ici. Ouais, avant de faire ça, je vais plutôt faire ça. Mais avant de préparer mes sorts, je vais plutôt faire ça. Je focus ma brèche ici. Elle. Je prends les 3 premières cartes et je peux préparer un sort que si je suis chanceux. En voilà un. Donc, je vais préparer ce sort-là sur la brèche que ici. Et là, je vais plutôt mettre mes deux autres sorts. C'est les autres brèches. Parfait. Donc, j'avais un état de générer de près avec la brèche de niveau 2. Et j'ai ces deux-là qui font 3. 3 éthers. On va prendre une charge ici. Pour gagner de la vie à Greyvolt. Je suis un peu coincé comme ça. Là. OK. 1, 2, 3, 4 et 5. Nous, on a gagné 2 charges. Ça, c'est bien. OK. Sparrow. Bon, ben, on va l'éliminer, lui. 3 dégâts ici. Gagne un éther. C'est pas une charge. Tantôt, j'ai gagné une charge, mais c'est un éther plutôt. Je crois. Mais en tout cas, c'est un éther. Gagner 2 dégâts. 3 dégâts, puisque je suis ici. Donc, lui meurt. Ouais, lui, il meurt. Et là, il faut tuer lui parce qu'il fait des dégâts, hein. Lui va faire 2 dégâts, 3 dégâts, lui. 1, plus 1, plus 1 parce qu'il y a une brèche de niveau 3, donc 3 dégâts. Plus que 6 points de vie. Et là, on va préparer les sorts ici. Et j'ai 4 éthers. Je vais prendre, encore une fois, un Thermal Dart. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ça, cependant, j'ai plus de bras. Ouais. J'ai plus pris pour les effets que les sorts que je peux préparer parce que j'ai plus de brèche ouvrée. Bon, quand même. Quand même. Bon, après ça, ça va être Nemesis qui va jouer. Bon, Greyvold subit 3 dégâts. Ouais, là, on est rendu à 14. Il est temps qu'on s'occupe de Greyvold. Lui, il s'en subit 2. Lui, le joueur avec le plus de brèches ouvertes, c'est celui-là. Il en a 3. Ici, j'en ai 2. Donc, subit 2 dégâts, tombe à 3. Et... Ouais, 3. Ouf. On n'oublie pas que quand un mage vient épuisé, c'est 2 fois déchaîné. Hein. Ça lui donne 10 points de vie, hein. Et on pige. OK, une carte puissance 2. On ne peut pas l'éviter. S'il y a 40 vies... Aïe, ben voyons donc. S'il y a 40 vies ou moins, il regagne 15 points de vie. Sinon, il gagne 3... Mais... Colin. OK. Petite ligue. Ouais. Ben, comment on va faire pour lui faire perdre toute sa vie avant que... Je sais pas. C'est... Ouais, ça va être compliqué.
Il n'y a pas moyen de la défausser. C'est vraiment ça qui est pire. Hein? Bon, 6 points de vie ici. Je peux en faire 3 avec lui. Plus 2, 5 et 1, 6. Donc, je peux faire 6.6 dégâts. 3 ici. Plus 2, ça fait 5. Plus 1, ça fait 6. Donc, lui meurt. Et je génère un éther. Donc, un éther, deux éthers. Ok, là, je vais défausser une carte pour gagner deux charges. Je vais défausser cette carte-là ici. Ouais. Préparer ces deux sorts-là. Pas des sorts très chers, mais bon. Je vais gagner deux charges, donc c'est ce que je fais avec ça ici. Oh là là. Ouais. Ouais, ça ne donne pas grand-chose, hein. Je vais plutôt défausser mon étincelle. La carte que je vais défausser, là, ça va être l'étincelle ici. OK. Donc, je vais générer deux charges avec ça. Donc, deux charges, une et deux ici. Et après ça, je vais pouvoir prendre deux pour ouvrir une brèche et plus un, trois. Et avec trois, je peux focusser la brèche qui est ici. C'est pas super fameux, mais bon, c'est comme ça. Le but, c'est de gagner de la vie à Guevo. 1, 2, 3, 4 et 5. Mais voilà. Ah, my God. OK, 1, 2, 3 éthers. 6. Non, c'est bon. Je peux gérer peut-être 6, 7 éthers avec ça. Et c'est terminé pour cette manche. Donc, la Saint-Anne des Messis est revenue à 39. Et là, elle risque de gagner 15 points de vie. My God. Ouais. Bon, il faut que je m'occupe du Mangle Root. Il y a 6 points de vie parce qu'il n'arrête pas de faire des dégâts à Guevo. Ça commence à être un peu lassant, tout ça. Il faut que je m'occupe de cette abomination là. Ah, come on là! Ça peut-être non. Oh, my God. 3 points de vie, 3 points de dégâts, je tombe à 11. Lui en perd 2, donc je tombe à 4. On enlève un jeton ici. On prend une carte. Bon, un autre carte de puissance, mais qu'on peut défausser avec cet éther. Si un joueur subit 4 dégâts et gagne 3, le préfet gagne 3, ben ok, mais ça on s'entend que je vais être capable de le faire, puisque à moins que je retombe sa Némésis tout de suite, là. Ok, Sparrow. Sparrow qui a 3, qui peut faire 3 dégâts ici, puis qui en génère un à terre. Donc 3 dégâts plus que 1. Génère un éther. Faut pas l'oublier. On va reveler les trois premières cartes. On va voir si on peut. 1, 2, 3. Je mets aucun sort, donc c'est pourri. Cette carte-là m'a rien servi du tout. Celui-là, on peut le mettre sur des brèches. Et deux sorts, on va les mettre sur des brèches. Ici, 2. Je n'ai que 2. Et avec 2, ben, on va prendre le dernier link qui est ici. Deux, trois, quatre et cinq. Remnant qui ferait 2 dégâts ici, mais regarde, on va le faire. Peu importe s'il y a un dégât qu'on perd, c'est pas grave. C'est pas grave parce que moi le but c'est de le débarrasser de lui. Et est-ce que j'ai 7 éthers? 1, 2, 3. Et 3, 6 et 1, 7. Ouf, c'est vrai, j'ai lancé mon sort, moi, là. Donc, 3 et 3, 6 et 1, 7, parce que j'ai aucune brèche avec des sorts. Donc, je prends tout ça pour générer 7 éthers et carrément me débarrasser de cette carte-là qui fait faire 4 dégâts. Croyez-moi, 4 dégâts, ça m'achève. Ça m'achève.
ou presque. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. OK. Nemesis, bon, et voilà. Et voilà, il a 40 vies au moins, donc il gagne, on fait Unleash 3 fois. Désolé. Unleash 3 fois. Donc, 15 points de vie. 15, donc, va tomber à 49 et à 54 points de vie. J'ai l'impression de recommencer, comme Sisyphe qui monte la montagne. Qui a... Ah là là! Ah, c'est fou! Et, ah bon, et voilà un autre sbire qui donne des. Qui lui fait unleash sur le. Sur le. Ah là là, faut s'en occuper de lui tout de suite. Et c'est Remnant, je me disais qu'il a joué deux fois là-dedans. Donc Remnant, je crois qu'elle va faire au moins deux charges pour pouvoir. Ouais, donc de toute façon, on regarde comment cette carte-là. Elle va focusser sa brèche de plus petits coups. Donc ça va être où on va ouvrir celle-là. Elle est à 3, puis toi elle est à 4. Et on regarde les trois premières cartes et on va pouvoir préparer un sort s'il y en a un. Ouais, on va préparer le. Le thermique, c'est ça, le dard thermique qu'on met là sur sa brèche qu'on vient d'ouvrir. OK, ça c'est fait. Elle va préparer les deux autres sorts qui sont dessus. Donc, elle a trois sorts préparés. Et ça, ces deux éthers, elle va les utiliser pour gagner sa dernière charge. Et elle les utilise pour donner 5 points de vie à Gwaevold, qui revient à 16. Bon, c'est mieux. 1, 2, 3, 4 et 5. Ouais, là, c'est les sorts. Il va falloir commencer à se prendre ce sort-ci bientôt. Lui fait 3, lui fait 4. OK. Prochain joueur, c'est Sparrow. Qui a des sorts ici intéressants. Donc, ici, on va faire 4 dégâts. Ici, on va faire 2. Ça va faire 6 qu'on va faire sur lui. Évidemment, lui, on veut qu'il crève le plus rapidement possible. OK. Et qu'est-ce que j'ai, ces deux sorts-là que je vais préparer? Et là, j'ai 3. Avec 3, je peux pas faire grave. Une conflagration, ben oui, pourquoi pas. Un autre sort ici. Donc, je prends. Merveilleux. 1, 2, 3, 4 et 5. Ouf, 4 éthers, un sort. Ouais, c'est ça l'affaire. C'est que peut-être qu'il faudrait que je trouve un moyen d'espacer ces éthers-là. Hein. Quand j'ai une main juste l'éther, ça va pas super bien, mais bon. 4 éthers. Je peux m'acheter un autre d'or thermique. À un moment donné, et d'or thermique, je vais pouvoir les accumuler. Puis, c'est vrai, j'avais un éther de plus. Hein? Bon, de toute façon. J'avais oublié. Je pense que j'avais généré un éther avec. Avec une conflagration. Mais en tout cas, c'est pas grave. C'est Sparrow qui joue encore. Et là. 3 dégâts ici. 3 dégâts là, ça fait 6 dégâts. On génère un éther, il ne faut pas que je l'oublie. Donc 6 dégâts, lui meurt. Merveilleux, il n'aura pas eu le temps d'avoir son effet. Ça, c'est bon. Donc j'ai un éther qui a été généré. Ça, je vais le mettre dans se préparer. Donc j'ai 5 éthers en réalité. 5 éthers. 5 éthers. Ouais. Est-ce que...
Je prends un 3 comme ça et plus une charge. 1, 2, 3, 4, 5. Remnant. Bon, il faut recommencer à faire des dégâts de toute façon. Donc, 4 dégâts, 5, 6, 7. Et on a généré un éther. 7 dégâts. Quand même bien, mais il faut qu'il arrête de remonter celui-là. Donc, tombe à 47. Rappelle qu'on était à 40 au début de la partie, puis on a passé la moitié du deck, puis on n'est pas capable de faire mieux. C'est bon. Bon, Remnant, elle a un état de générer. 2, 3, 4, 5. Ça, on va les préparer. OK, 1, 2, 3, 4, 5. 5, c'est 6 que j'aurais bien aimé avoir. Ouais, 5 éther. 5 éther, ben je vais continuer. Oh là là. On se prend ces sorts-là. Sort de d'or thermique. Quand même fait trop, il fait quand même 3 dégâts, même 4 quand on est ici, j'ai pas le choix. OK. Ouais. C'est le fait que je peux pas détruire de cartes, ça me pénalise là, présentement. Là. Ouais, j'ai des gros. OK. Bon, éther 6. Bon, 4 de pauvre de puissance, 7 éther. Enlige deux fois. N'importe quel joueur place. Ok, c'est, on brasse notre défaut finalement. Et on détruit les cartes. Donc, là, elle aussi, il va falloir que je m'en débarrasse. Prochaine, ça va être Spero. Mais c'est pas elle qui a de l'énergie. Qui a beaucoup de. Beaucoup de terre. Elle va faire 4 dégâts avec cette carte-là. Donc, 43. Jouer cette carte-là pour voir si on pourrait pas préparer un sort tout d'un coup que. Oui, il y a quelque chose. Oh, mais on va préparer un autre sort thermique. OK, au moins elle a servi cette carte-là. 1, 2. Ça, on va les préparer sur nos brèches. Ouvertes. Et ça, ça fait 2. Pour 2, elle va. Pas le choix, prendre une charge ici. Et c'est là qu'on ici, on pourra peut-être faire le deuxième effet qui est ici, là, de piger des cartes et de préparer les sorts. 2, 3, 4 et 5 points. C'est mieux de focusser là-dessus. Continue. Remnant, et je pense que c'est l'Enemesis. On va terminer avec l'Enemesis, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Ok, est-ce que je peux générer 7 éthers avec Remnant? 1. Oui, je pourrais peut-être 3 ici. 4 avec celle-là. Et celle-là, 1, 5. Ben oui. 5, 6, 7. Si je lance pas mes sorts. Donc c'est ce que je vais faire. Ça, c'est 3. Ça, c'est 4 et 3, 7. On va y aller comme ça. Donc 7. Je génère 7 éthers, donc on se débarrasse de cette carte-là. C'est merveilleux, puisqu'elle a déchaîné deux fois. Et là, je peux préparer ce sort-là ici. Puis l'autre, je vais le garder, puisque j'ai pas de brèche ouverte. Bon, ben tant mieux. 1, 2, 3. Oui, les petites cartes pourries. Bon,
Et le Nemesis termine, mais elle n'a aucune carte. C'est ce qui est merveilleux dans tout ça. Mais le deck descend. Hein? Et là, on est rendu à la première carte de niveau 3. Guevo subit 7 dégâts où on a... Ben OK, ça c'est clair que Guevo va subir 7 dégâts. Hein? 9. C'est pas vrai que je vais lui donner 15 points de vie. Hein? J'étais à 16, on devient à 9. Bon, là, fort que Remnant donne la vie à Guevo. C'est tout. C'était seulement cette attaque-là. L'attaque de base, mais qui a fait mal. Le vol est à 9, là. C'est pas... on n'est pas en bonne position, hein. 43. Satané, les Messis. C'est fou. C'est difficile. C'est difficile, difficile, difficile. Sparrow va faire des dégâts. Bon, on va faire 4 dégâts avec ça. On va faire 3 avec elle. Là, je pars d'un rajoute 1 parce que j'ai des niveaux 3 et 4. Donc 4 et 3, 7. On génère un éther. 7 et 2, 9. Donc on va tomber à 34. On va préparer ces deux sorts là. Et pour 3 éthers, on va prendre une conflagration. Alors 4, pas vrai, j'en générais une tantôt que. Ouais. Donc j'ai 4 éthers. Oh, j'ai 4. OK. 4. Donc 4, on va plutôt prendre 2 charges. 1, 2. Et là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'utilise tout de suite? An alley with no closed breaches. Ouais, lui, il est... Ouais. On va attendre. On va attendre un peu. Faut que je ferme cette année brèche là. 1, 2, 3, 4, 5. Nemesis, rien ici. Carte de puissance, un rituel apocalyptique 8 éthers. Guevo subit 5 dégâts pour chaque carte Nemesis dans la défausse. OK. Ben là, Power 2. OK. On le repose ce tour-ci, mais... Ouais. Ça pourrait faire des dégâts, ça. Sparrow va lancer 3 dégâts. Plus 2 autres, ça fait 5. Et ça génère un éther. Ça fait 5 dégâts. 29. Oh, c'est mon plus bas que je suis allé jusqu'à maintenant. 29. Et on génère un éther. 2, 3, 4, 5. Ah, 5 éthers. Un peu. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, j'en voulais 6. Oh là là, bon, okay, on va préparer ces deux sorts-là. Je génère 5 éthers. Ah, moi qui pensais en générer au moins 6 une fois dans ma vie avec lui. Dans ce dernier sort-là. Un, deux. 3, 4, 5. OK. Remnant. OK. Ici, il va faire... on a fait 2, donc 3 dégâts. 4, 5, 6. dégâts. Et ça a généré un éther, tout ça. À cause de ça ici. 6 dégâts. Ah, yes! Tombe à 23. Est-ce que j'aurai le temps de l'avoir? Je me le demande. 23. Et là, j'ai un état de générer. Bon, on prend ça ici. On focusser cette brèche-là. Merveilleux. Et on garde les 3 premières cartes. Et on va voir si on peut faire un sort. Oui, le sort. Le sort ici. On va mettre sur la L qu'on vient justement de focusser. Et on va mettre ce sort-là ici.
Et là, non. J'ai 3 éthers ici. On avait généré un avec ça, donc 4. Donc 4, je vais prendre une brèche là. Et... pas une brèche, mais une charge plutôt. 2 charges. Ouais. Némésis, on perd ça. Je vois nos 4. Bon, en voulant un autre sbire à 17 points de vie. Ok, lui, il défausse les cartes du deck de Némésis. My God. Non, mais... Ouais, là, c'est à savoir si je fais un rush. Tant qu'elle fait perdre 17 points de vie à lui, là, je pense que je vais lui faire perdre à lui. Hein. Il est rendu à 23, là. À moins qu'il y ait des effets en leash, là. Ah, ouais, ok. Et c'est Sparrow, pas Sparrow, Remnant qui joue. Donc, 3 dégâts. Et plus 2, ça fait 5. À lui. J'ai un non, je focus sur lui, hein. Donc 18. Et j'ai un. Bon, je peux préparer, si je peux préparer ces 3 sorts là. Je peux générer 4 charges. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais plutôt gagner 3 étages, je vais défausser 4 là pour gagner 2 charges. Que je vais mettre ici tout de suite. Donc plus qu'une, puis je vais gagner 5 vies à Gravolt. 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, j'aurai de l'éther pour faire gagner de la vie. Donc j'aurai de l'éther pour peut-être faire une carte puissance, peut-être. On verra. Et... oh, on est rendu à brasser. 18 points de vie, la Némésis. Je pense que je vais donner toute mon attention à cette Némésis. Mais là, il ne faut juste pas qu'il y ait d'effet en leash. C'est juste ça qu'il faut que je souhaite qu'il n'y ait pas. Ouais. Là, je sais que quand que je vais piger pour une carte Némésis, Scuivo va subir 5 dégâts parce qu'il y aura une seule carte dans le défaut. Ça va être la carte que je vais piger. Donc, Guevo ne mourra pas. Si ça arrive au deuxième effet, mais là, c'est la deuxième carte Némésis. Là, Guevo, je perdais. Hein. Ok, Sparrow encore. C'est souvent Sparrow qui commence. Hein? Bon, Sparrow, tu vas faire des dégâts, toi. Tu vas faire 3 dégâts ici. Tu gagnes un éther. 3 dégâts ici. Puis 3 ici aussi. Ça fait 6. Donc, tomber à 12. On va jouer cette carte-là, voir si on peut pas préparer un sort. Si jamais. 1, 2, 3. Ben oui. On va préparer le d'or thermique sur la brèche niveau 4. Et là, un état qui est à générer. 1, 2, 3, 4. Aussi, on va le préparer. Donc, j'ai 4 éthers que je peux utiliser pour acheter quoi? On va acheter un autre sort. On va focusser sur les sorts. Ça prend des sorts. Et là, c'est pas ici, c'est intéressant. Je gagne des charges, mais je suis plein de charges de toute façon. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, prochaine main. Némésis. Et là, Guevo subit 5 dégâts par carte dans la fosse. Donc, il y en a juste une. Donc, 5 dégâts, on tombe à 4. Lui, on défausse la carte dessus. On défausse cette carte-là. C'est à quoi? Yes! Une carte qui faisait... oui, super! Une carte qui... on la défausse, mais ok, une de moins, mais... faut pas qu'elle te termine, mais bon, il y a gagné 10 points de vie avec celle-là, hein? Ok, et là, on va prendre cette carte-là. Une monstruosité des Omen... ouais.
Ok, quand on fait des dégâts, c'est un à chaque fois. Bravo, suit des dégâts. Oh my god. Avec des. Ouais. Ok. Il faut quand même faire mal parce que sinon Guevo subit 5 dégâts. Hein, avec ça. Oh là là. Ok. C'est Sparrow. Bon. Ok, qu'est-ce qu'on lui fait? On va lui faire un dégât à lui, là. Au cas où qu'on tombe encore une fois sur la Nemesis. Là, pour que. Ici. 4 dégâts plus 2, ça fait 6. 4 et 2, ça fait 6. Fait que lui tombe à 6. Et là, j'ai 1, 2. Je peux même faire un dégât ici. Ouais, c'est intéressant ça. J'ai besoin de 4 pour faire. Ou 7 pour. Ouais, j'ai besoin de 7 pour ouvrir ma brèche. Hein. 1, 2, 3. Est-ce que j'avais un dégât? Non. J'avais un éther qui était généré par le sort qui était ici. Donc j'ai un éther de généré. 2, 3 parce que j'ouvrais une brèche. 2, 3. 4 et 2 4 et 2, 6 et un 7. En réalité, ce que j'ai besoin là, c'est que c'est 7 pour l'ouvrir ma brèche de niveau 4. Donc 1, 2, j'ai tout ce qu'il faut. Sauf que je vais prendre 2 ici puis je vais faire un dégât à un sbire. Donc je génère 7 éthers. 7 éthers pour ouvrir cette brèche et faire un dégât à lui. Pourquoi je fais ça? Parce que là, je vais pouvoir utiliser cet effet-là ici, un allié avec avec aucune brèche fermée, comme bon, tout ouverte maintenant. Prends 3-4, pige 3-4 et prépare 3 sorts de sa main. C'est ça, ça va être intéressant. Ça va être intéressant. 1, 2, 3, 4 et 5. Ouais, je sens que ça sent mauvais pour le. Oui, je pense que ça commence à être bien. Je l'ai donné de la vie. Ah, j'ai oublié. Je l'ai donné de la vie à lui. Combien d'étages j'avais? T'as peu. J'avais 1, 2, 3, 4, 5 et 2, 7 et 1, 8 que j'avais généré. Ouais, c'est ça plutôt. Je vais plutôt en générer. Non, je vais reculer. Je vais plutôt en générer 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus le 9 qui était généré par ça. Ça fait 9. Donc, je ne fais pas de dégâts à lui. Donc, 9. Donc, je fais quand même mon 7 pour lui et 2 pour gagner une charge et que j'utilise tout de suite pour gagner, faire de la vie à Gravolt. Je retombe à 9. Ouais. C'est plus sage comme ça. Et ici, ah ben voyez, hein, comment c'était plus sage. Je perdais la partie, je ne faisais pas ça. J'étais à 4. Et bon, il y avait 3 points. Non, je ne faisais pas la partie, mais disons que. Hein, OK. OK. Nemesis joue. C'est la deuxième fois. On défausse la carte qui est ici. Ah, cool! Encore une carte qui fait des. Qui faisait gagner de la vie. Ah, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. J'ai vraiment. Ok, il m'a vraiment aidé, lui. Et lui, il fait 4 dégâts à Quivol, donc Quivol tombe à 5. Et là, j'ai pigé une carte. Écoutez, il reste plus que 4 cartes. Et c'est la fin. Ah, Unleash Twice, mais Power 2. Oh, yes! Je pense que je vais être correct. Il me reste 2 cartes. Remnant. Aucun sort. Ça c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. OK, ça, on va prendre ça pour garder les 3 premières cartes. Oh, j'ai pas de sort. Radu. OK, on va préparer ce sort-ci. Ouais, ça, c'est. J'aurais pu terminer cela si seulement elle avait eu des sorts. Et j'ai 1,
Ok, j'ai trois autres sorts. Là, j'en ai plein la main. Et un éther qui va nulle part. Regardez-moi ça. J'ai plein de sorts ici, mais il aurait pu que je les ai avant. Hein? 1, 2, 3, 4 et 5. Ah, c'est tendu. C'est tendu. Fou. Ouais, c'est pas avec ça que je vais faire des miracles. Et on continue pour Sparrow. Ah, elle en a des sorts. Donc, ben oui, voilà, c'est terminé. 4 dégâts ici. Et 4 dégâts ici. 8 dégâts. Et même encore, si on veut s'amuser, mais je peux même pas utiliser ça. Puisqu'elle a déjà toutes les sorts préparés. Incroyable. En tout cas, 8 dégâts et ça n'en fallait pas plus. 0. Mais là, j'avoue que ça a bien été. Il est vraiment difficile, quand même. Ok, donc toujours de la vie. Puis là, j'étais chanceux parce que j'ai ce fameux sbire-là. Ce fameux sbire-là me fait faire en sorte que. Ok. Faire en sorte que j'ai défaussé ces deux cartes-là. Qui faisaient. Il y a 20 points de vie là-dedans. Là. Donc, on s'entend qu'avec 20 points de vie, là, je n'étais vraiment pas sûr. En plus, il y avait des dégâts, qu'on donnait des dégâts. On détruisait les cartes. C'est pas probablement que je l'aurais pas gagné cette carte, cette partie-là. Pas probablement. Là, je faisais 4 dégâts encore. Ouais. OK, puis un autre ici de 10 points de vie encore qui revient. Qu'est-ce qui restait comme carte? Si le prophète a 30 points de vie ou moins, on fait un effet déchaîné et on défausse des. On défausse des trois sorts. Ouf. Après ça, il y avait. Si 30 vies ou moins, on dit 4 fois 20 points de vie. Otherwise, discard the top. Ouais, on ne pouvait pas faire ça là, parce qu'il ne restait plus qu'une carte. Ah, écoutez, ici, bon, une autre carte de puissance, mais hey, il y avait des. On l'a eu à la limite, par la peau des dents, comme on dit. Ouf. Ben, j'ai bien aimé ma victoire, vraiment, là, je m'attendais pas. Écoutez, avec les sorts, pas si. J'ai même pas été pigé un sort là-dedans. J'ai vraiment focusé ces deux sorts-là. Les gemmes, j'en ai pas acheté tant que ça. Bon, ce relic-là, j'ai pas pris du tout. Elle m'a bien servi quand même. Mais c'était vraiment juste. J'ai eu la chance, hein, un peu. Mais c'était vraiment, vraiment, vraiment juste. Ah, ouais, c'est. Je pense que j'ai besoin de relaxer un peu. Bien, le prophète, tu es mort pour une quatrième fois et cette fois-ci, tu ne te réveilleras plus jamais. On va terminer avec toi. Bien, bravo à Sparrow et Remnant pour ce combat. Et on peut bien les féliciter, ces mages. Parce que le prochain mage qu'on va affronter, ça va être qui? Je me demande bien. Ça va être la couronne creuse. Ouais, ça va être la couronne creuse, celui-là. Ça, c'est le prochain qu'on va affronter. Je ne sais pas quand. Il reste lui. Il reste celui-là. Le Wraithmonger. Il en reste quatre. Il reste celui-là. Le mage des cloaks, là. Je ne sais pas c'est quoi, là. Le mage des cloaks. Et il reste le dernier qui va être le plus difficile, c'est le Gate Witch, la sorcière des portails. Là. Ouf, my god. Et voilà, ben c'est ça, c'est donc 4 parties années sur la chaîne hein, éventuellement. Oui, bon. À bien se passer comme que je fais d'habitude. Fait que j'espère que vous avez apprécié cette partie. Moi, vraiment, je l'ai vraiment aimé. C'était très chaud. Fait qu'on s'en est bien sorti. Fait qu'on se voit bientôt pour une autre session de jeu. À la prochaine, portez-vous bien.